allez bien, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Marion. Je vous explique. Déjà, aujourd'hui, on va à un tournage, donc il faut qu'on se maquille. Donc on s'est dit qu'on allait faire 2 en 1. Donc c'est pour la chaîne YouTube Cru. Si jamais vous connaissez pas, je vais vous mettre quand même en barre d'infos. Alors, donc moi, pour l'instant, je vais maquiller Marion, et après, elle va me maquiller. Plus confiance en elle que en moi. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Elle, elle a le Born This Way de Too Faced. Et je vais lui appliquer avec une éponge. Alors c'est une éponge Real Technique qui est assez grosse, mais je trouve que c'est super pratique. Après, faudrait que tu mettes le lien des produits. Ouais. Un anti-cerne correcteur, c'est le Born to Glow de chez NYX. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je crois que c'est le seul anti-cerne qui file pas dans les plis et qui est pas chelou quand vous mettez de la poudre après. De la poudre translucide de chez Maybelline La Fit Me. Voilà. Après, il faudra que tu montres à la caméra tous les pinceaux que tu as. Je sens que ta communauté veut savoir. Non. Fais les yeux. Ouais. La Naked 3. Mais j'en ai marre. Bon, cette vidéo, elle sera pas qualitative niveau lumière. Lève les yeux. Non mais lève pas la tête. Vas-y. Mon dieu, c'est longtemps que j'avais pas vu ma gueule. Pas pardon. Mon visage. Je me fais pleurer. Je me rends triste. Vous voulez pleurer, mettez du mascara. De l'highlighter, tiens. Sur les lèvres, donc c'est Anastasia Beverly Hills, c'est le Rosewood. Voilà, on fera. Bon, alors là, il faut savoir qu'on a la make-up du coup artiste, donc elle a quand même eu l'habitude de se maquiller surtout elle-même. Hein. Et moi, comment décrirais-tu mon expérience dans le maquillage? Débrouillarde. Donc je vais me débrouiller avec toi. Mon dieu, la tête. Bon, allez, c'est parti. Alors déjà, j'ai tout à fait confiance. Ça, alors déjà, on va prendre ça comme base, enfin comme fond de teint. C'est Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Est-ce qu'on sent que je suis rassurée? Jamais maquillé personne. Hein. Bah, la première personne qui me maquille, c'est moi. Je sais pas si c'était une bonne idée. C'est pas si compliqué que ça. Surtout ne regarde pas. Ah, j'aime bien faire ça. Moi, j'aime bien me faire maquiller. Moi, je serais peut-être un peu plus longue. Hein. Oui. De toute façon, tu vas accélérer. Ouais. On en rajoute. Elle me met combien de tonnes de fond de teint? J'ai peur. Tu vas pas ressembler à un camion. Peut-être que je vais te rappeler pour me maquiller. On met l'anti-cerne. Là, on met la poudre fixatrice. Yes. Pas donc sous les yeux, t'en mets pas. Enfin, pas.
Pas trop. Pas trop. Donc poudre fixatrice, c'est comme tout c'est à l'heure. Même. Hein. C'est la même. Et là, je me rends compte de la difficulté que c'était pour toi de faire des vidéos maquillage. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout. Ça demande surtout de l'entraînement. Pour la lumière, hein. C'est chiant. Ah non, fais les yeux là. Non, le blush. Attends, je vais mettre du bronzer. Nous allons utiliser un bronzer. En gros, c'est pour réchauffer un peu. C'est une petite palette de chez Benefit. Il y a trois produits. Il y a un bronzer, un blush et un highlighter. C'est juste pour réchauffer. Tu sais, dans le creux des joues, tu vas pas trop loin, sinon ça fait cadavre. Tu sais, tu restes genre comme ça, tu... Tiens. D'accord, je fais ça avec quel pinceau? Celui de derrière. Lui? Ouais. Ok, bon, ça, je connaissais même pas l'existence, hein. T'en mets pas trop parce que... Ça. Ouais. Attends, tu sais quoi, je vais te montrer. C'est comme ça. Ah ouais, t'en mets quand même pas mal. Oui, mais faut que tu montes sur les joues. Après, tu fais faire comme ça. Voilà. Ouais, j'avoue, ça se voit direct. Comment je sens quand on essaye de trouver un bijou? Faut fixer. Non. Non, c'est bon. Non, tu peux mettre du blush. Ou après, ah oui, du blush. Enfin, tu peux mettre après là, le blush highlighter, hein, comme tu veux. On va mettre du blush à Mademoiselle, donc c'est la même. Hein. C'est Anastasia Beverly Hills. C'est un trio de blush. Ah, j'aime bien celui-là. Je sais pas, il se tombe un petit peu là. Et du coup, là, je mets. Bah, sur le bombé des joues, comme ça. Tu vois? Oui, sur le bombé des joues, comme ça. Ouais, ça le fait. Alors, les yeux. Attendez, les yeux. Il y a une contrainte. Elle doit utiliser alors la première collaboration. Oula. Première collaboration de Sephora avec Sana. Je vous montre vite fait la palette. Elle est trop jolie. Et vous avez plein de couleurs, donc pour le coup, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est sûr. Tu fais ce que tu veux. Ce que je veux. Un truc, enfin ce que tu veux. Pas me foutre le fuchsia. Hein. Mais oh, cette lumière de merde. Il faut que ça aille avec ta robe. Ah je sais. Alors, je vais me rappeler de ce que tu as fait. But first. Ça s'appelle vraiment comme ça. C'est ça qui est drôle. Ça va aller. Ça va aller. Du silence comme ça me donne envie de chuchoter. Je vais faire de la ASMR. Là, il faut utiliser l'highlighter. Ça s'appelle comment? Ah, c'est le BK, le champagne pop, si pop. C'est sûr que tu veux que je fasse. Je le fais. On va mettre ça. Ah, j'ai pas choisi, hein. C'est le Butter Gloss en teinte crème brûlée de chez NYX. Ouais. Donc je vais mettre du mascara. C'est le The Colossal Go Extreme de Maybelline. Il y a un truc, mais on va le faire toutes les deux. C'est de fixer. Moi, je mets souvent une brume fixatrice pour mélanger les matières et pas que ce soit trop... poudreux. Tu sais ce qu'elle a fait ma mère genre il y a quelques... Enfin il y a même pas une semaine. Non. Elle m'a dit ouais Violette ça me brûle les yeux ton démaquillant et tout. Le rose machin. Je fais t'as utilisé quoi? Et là elle me montre le fixateur. Je mets maman. Ça se met pas sur les yeux. Ferme les yeux. Voilà. C'est la première fois que je maquille. On va zoomer chacune notre tour. Genre je vais te... Enfin je vais te filmer en mode... Voilà. Ah ok, j'ai compris. Voilà, ça devait maintenant terminer. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, je suis très impressionnée. Je m'attendais pas à ça, je trouve ça plutôt joli. Je suis contente. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo.
à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire sur ce que t'as pensé de la vidéo. Dis-moi ce que tu veux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !